妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi je suis content de reparler de Classroom of the Elite, un animé bien connu que j'avais déjà abordé il y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, si j'en reparle, c'est pour vous annoncer de très bonnes nouvelles. Dernièrement, le Light Novel avait entamé sa nouvelle série pour la deuxième année d'Aya no Koji. Bon, comme d'hab, beaucoup lors du trailer de Kadokawa se sont précipités en pensant à la saison 2. Hélas, pas du tout le cas. Ce qui faisait que nous rendre encore plus à l'évidence que l'animé n'a été fait que pour promouvoir le Light Novel, et rien de plus. Cela étant, qu'en plus de ça, le manga se retrouve toujours mis de côté, car le projet est abandonné. Ce que beaucoup de fans regrettent, car tout le monde n'est pas très friand du format roman que sont les light novels, bien que ça n'arrête pas tout le monde pour autant. Alors qu'une possibilité de suite se faisait aussi lointaine qu'une suite pour No Game No Life, une lumière est venue éclairer mes yeux pleins de vérité. Récemment, des petites choses m'ont mis la puce à l'oreille. Déjà, l'animé qui commence à se faire vieux, mais qui a toujours le soutien et la reconnaissance des fans. Ce qui est en général un facteur essentiel pour une œuvre qui veut recevoir une suite, surtout avec une ancienneté qui n'est pas aussi grande que les autres. Sachant qu'en plus, les chiffres des ventes du light novel suivent avec. Donc niveau popularité et financier, tout était bon, et tout pouvait laisser croire qu'un jour, un miracle tapera à la porte pour nous annoncer une deuxième saison. Il ne manquait plus qu'à l'œuvre de recevoir le coup de pouce qu'il fallait. Et donc, un matin, je me lève, et que vois-je? De par mes sources hautement confidentielles, que la saison 2 a en fait été annoncée, et qu'elle est déjà en cours de production. Ça aura pris du temps, mais nous y voici enfin. Et je suis plutôt content. L'animé reçoit enfin ce qu'il mérite depuis très longtemps. Et les fans, moi y compris, ne peuvent que être enchantés de cette nouvelle qui est venue émerveiller ma journée. Et en plus, si ce n'était que ça, car de par mes contacts ultra confidentiels et mon hacker professionnel attitré Orange recruté sur Discord, j'ai pu réussir à avoir accès aux bases de données de Crunchyroll. Voici d'ailleurs un petit extrait de la conve. Salut, au fait, je voulais dire, Yorin, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une petite faille SQL sur le site de Crunchyroll, et bah, grâce à mes compétences professionnelles d'Indien, j'ai réussi à dumper une grosse partie de la BDD, et bah, je l'ai enregistrée. Du coup, je te l'envoie parce que je pense qu'il y a des trucs qui pourraient quand même vachement t'intéresser dessus. Et j'ai pu justement remarquer qu'en fait, l'épisode 1 de la saison 2 était déjà sorti et reste disponible pour les hommes de culture sur YouTube, c'est-à-dire moi et mes abonnés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on y retrouve certains de vos commentaires. Je dois dire que vous êtes plutôt perspicace, bravo à vous. On l'a enfin fait et toutes ces années de forçage ont enfin servi à quelque chose. Dès à présent, il ne reste plus qu'à profiter de cette deuxième saison qui nous est offerte et dire un grand fuck à tous ceux qui n'y ont pas cru et nous ont craché dessus depuis des années. Et si ce n'était encore que ça, car également une troisième saison de Classroom of the Elite.